Sainte Eucharistie. Merci à Françoise, Michel et Thibault qui, par le chant et la musique, nous aident à demeurer confiants dans le Seigneur. Merci aussi à tous ceux, toutes celles qui, au service de la sacristie, Denise, Yvette, et j'en oublie, nous rendent service avec le Père Paul, le Père Hervé et le Père Franck. Au début de cette Sainte Eucharistie, frères et sœurs, dans un élan de confiance, implorons la miséricorde du Christ. Je confesse à Dieu.
Il vient, Seigneur, gouverne par droiture. Il vient, Seigneur.
deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit Saint du Seigneur vient nous ce soir à travers cet évangile proclamé par Benoît et ces lectures que nous avons entendues. Et on se pose la question de savoir si nous ne sommes pas déjà dans ces temps. C'est le Seigneur qui parle. Que nous dit-il ? Il faut que cela arrive d'abord. Et les signes sont là, parlants. Guerre, tremblement de terre, ici et là. Tremblement dans l'Église aussi. Et tout cela, sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu qui, dans sa parole aujourd'hui, nous parle de manière singulière. La première lecture du livre de Malachie traite en réalité du rayonnement du soleil, mais il faut l'entendre dans un sens spirituel, c'est-à-dire de l'illumination des cœurs et des consciences. C'est-à-dire que le Seigneur vient faire la lumière. Et son temple, c'est un temple de lumière. Alors, comme son temple est un temple de lumière, le travail à faire, c'est également un travail pour faire la lumière. L'ancien Don Guigues le Chartreux, rebondissant sur cet évangile, propose, frères et sœurs, un travail pour le croyant, pour le baptisé, pour le chrétien, un travail d'unité, d'unification, intérieur, pas simplement un travail pour l'alimentaire, c'est déjà beaucoup. Mais ce dont parle l'apôtre Paul ici, c'est entrer dans le projet de la volonté divine. Je le redis, pour accueillir cette illumination des cœurs et des consciences. Et nous sommes déjà dans ce temps, et le Seigneur nous prépare. Merci à vous d'être là ce soir dans cette église, parce que, avec ce qu'on entend dans les médias, on peut bien se poser des questions et avoir honte. Mais non, le Seigneur nous veut debout, alerte, et pour accomplir ce travail, pour ne pas nous satisfaire, comme le dit Jésus, des belles pierres du temple ou des musées, pour faire ce travail de lumière, le Seigneur nous dit ceci. Le croyant, pape, archevêque, prêtre, diacre, baptisé, doit entrer dans ce travail quotidien, journalier, la lecture de la parole de Dieu, pour y trouver et y chercher Dieu. Elle est la nourriture dans la bouche.
la méditation de cette parole et la mendication, nous la mâchons. Ensuite, la prière nous permet de goûter à la volonté divine. Et enfin, la contemplation qui nous permet d'être reliés à la source, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et Jésus, qui nous invite à faire ce travail d'unité dans notre Église, dans notre société, dans nos familles, nous recommande ce mode d'emploi. La lecture de la parole de Dieu, la méditation journalière, la prière et la contemplation. Et sur fond, sur toile de fond de cette vérité divine, il faut toujours se souvenir qu'on peut tromper les hommes, on peut leur tenir bon nombre de discours, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Et le Seigneur veut que chacun de ses fidèles devienne, je le redis encore, comme un rayon de ce soleil, un canal de cette lumière. Alors, frères et sœurs, prions aujourd'hui pour que ce soleil de justice, qui est le Christ lui-même, prions pour qu'il triomphe de toutes ces forces du mal à l'œuvre, nous les voyons. Prions aussi avec docilité ce que le Seigneur nous donne comme guide. Saint Joseph qui a gardé son fils, mais aussi la Vierge Marie qui écrase de son pied le dragon du mal. Et demandons toujours au Seigneur de nous tenir en état de discernement, en état d'alerte. Nous allons célébrer la Sainte Eucharistie et nous allons chacun rentrer à la maison. Mais notre prière, il faut qu'elle continue. Hier, nous avons célébré l'armistice. Nos anciens nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans leur héritage. Certains sont morts au champ d'honneur. Eh bien, il faut que notre prière, elle continue. Quand vous rentrerez à la maison, frères et sœurs, je me permets de vous inviter dans cet état de turbulence, dans cet état de crise, de guerre, à prendre vos ordinateurs, aller sur YouTube, écouter au plus profond de vos cœurs pour demeurer dans ce travail d'unification. Écoutez au plus profond de vos cœurs le cœur des saints syriens. Et surtout cette chanson qui fait de nous des croyants ici en France. Rappelle-toi, Jeanne, quand vous irez à la maison, cliquez sur le site Saint-Cyr, le cœur des saints syriens. Rappelle-toi, Jeanne. Et à travers cet héritage qui nous a été légué, chacun de nous pourra, à son niveau, à son échelle, faire ce travail d'unification, d'illumination que le Seigneur nous demande. Voilà. Nous entrons dans un plan beaucoup plus large que nous, beaucoup plus vaste. Nos anciens nous ont laissé, à travers leur témoignage, cette foi. Nous devons la garder. Nous avons nos églises. Nous devons les conserver. Il y aura encore des tremblements de terre et des scandales. Mais il ne faut pas que nos églises se vident. Bien au contraire. Il faut que cela nous fasse rebondir, il faut que cela ne nous ébranle pas, mais bien au contraire, nous rende solidaires de ceux qui nous ont laissé un héritage précieux. Et si nous faisons ce petit travail d'unification, eh bien, le monde, l'Église, la France, la planète s'en trouvera mieux. Peut-être il se passe toutes ces choses parce que nous ne prions pas assez, parce que le soleil n'est pas assez
dans nos consciences et dans nos cœurs. Que le Christ vienne fortifier en chacun d'entre nous l'homme, la femme intérieure, le baptisé pour lequel il a livré sa vie. Et que ce soir, il vous bénisse, il vous comble de sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi commune. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié.
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. De même, après
Après le repas et puis la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Thank you.
osons prier la prière de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons à l'abri de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amours, à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Pour moi, il est bon de m'attacher à Dieu, de mettre mon espoir dans le Seigneur, mon Dieu. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Au terme de notre célébration, avant la bénédiction finale, saluons la très sainte Vierge Marie, implorons sa protection pour nous-mêmes et nos familles. Je vous salue, pleine grâce, le Seigneur. Célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant en miséricorde vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.